Je tiens tout d'abord à saluer l'excellent travail de la rapporteure, ma collègue Tine Kostrikt. L'externalisation que l'Union européenne et ses États membres font de leur politique migratoire est une honte. Nous confions à des gardes-côtes tunisiens ou libyens le soin de stopper les migrants qui partent de leurs côtes alors que ceux-ci les fuient pour des questions de misère, de traitement inhumain. Nous avons largement réorienté des fonds et politiques voués au développement des pays tiers à cette gestion migratoire par nos partenaires. Nous mettons même des moyens militaires désormais au profit de sa tâche. Je parle de l'opération Irini et de l'agence Frontex et des voisins du Sud dans la Méditerranée. Cette sous-traitance coupable doit cesser. Et ce rapport est un bon début et il replace la dignité humaine au centre et rappelle l'Union à ses responsabilités. Certains conservateurs, pour affaiblir ce rapport, ont cherché à faire alliance en dernière minute avec la droite identitaire. Je tiens à dénoncer ici ce glissement politique hautement dangereux et irresponsable. Ce Parlement ne doit pas céder à ce populisme réactionnaire. Ce Parlement doit réaffirmer le droit et le droit pour les migrants d'où qu'ils viennent.